du monde très très chouette qui vient, qui reste sur une victoire à Vichy, si je ne me trompe pas. Oui, qui reste sur une victoire à Vichy. Voilà, on a bien travaillé ce matin. Elle court mercredi, non, elle court samedi à Enghien. Avec une bonne chance pour participer à l'arrivée. Voilà. Elle reste sur, ses quatre dernières courses dans les trois. Elle n'est pas sortie des trois premiers. C'est une jument complète. C'est une jument complète qui est surtout. Qui met son cœur par terre, quoi, qui donne tout ce qu'elle a. C'est vraiment une chouette jument. C'est, en classe pure, c'est peut-être pas un phénomène, mais elle est très, très courageuse. All Malls, ça c'est un cheval que j'adore. C'est un cheval. J'ai grand espoir avec lui. Cache pas que je pense que c'est un petit peu la valeur d'un Mordokain. Non, je ne sais pas encore le. Faut voir ce qui va évoluer dans l'année qui vient là. C'est l'année qui va dire où ce qui se. Mais déjà il me montre, j'ai couru deux fois contre juste en dessous des bons chevaux et il finit deux fois troisième tout près. C'est un cheval qu'il faut suivre dans les bonnes courses. T'as voulu prendre la température justement en courant les bons un peu? Voilà, j'avais pas trop de courses et en même temps ça m'a donné un petit peu une idée contre ces chevaux-là. Il partait chaque fois en seconde ligne contre des chevaux comme Rêve de Rêve tout ça. Il est venu finir avec eux. Donc c'est bon pour l'avenir. Tissot Rush, c'est un cheval que j'aime bien. Que j'ai pas encore retrouvé complètement. Même pas du tout pour le moment, mais j'ai bon espoir avec lui. C'est un gros moteur, pas trop facile dans les allures, mais ça va aller. C'est un cheval à suivre. C'est quoi un petit peu son planning, on va dire? C'est de l'avoir samedi en gain. Ouais. Pour samedi en gain, donc voilà. Et de l'avoir prêt pour fin d'été, début d'automne. Ouais, c'est un cheval. Voilà, c'est les bons boutons que j'ai trouvé. C'est quand j'ai trouvé les bons boutons, il peut gagner à Paris, il peut gagner n'importe où. Parce qu'il a un moteur et la classe pour gagner à Paris aussi. Il faut juste trouver les bons boutons et qu'ils soient bien, bien allures.